sur ma chaîne. Aujourd'hui, un spécial haul Saint-Valentin. C'est pas ma fête préférée, j'aime pas trop la Saint-Valentin parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours si vous aimez la personne avec qui vous êtes ou si vous avez aussi vos amis, vos familles. Voilà, il y a tout moment de l'année, on peut leur faire des cadeaux, de leur dire je t'aime. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo Saint-Valentin et surtout des petites trouvailles, dont ce rouge à lèvres. Voilà, la Saint-Valentin, c'est le rouge et j'ai voulu faire une bouche rouge. Et j'ai trouvé ce rouge à lèvres. Alors je ne l'ai pas acheté pour la Saint-Valentin. C'est vraiment, je suis tombée par hasard chez Kiko. Comme il y a les soldes, j'ai voulu tester ces rouges à lèvres. Je ne connaissais pas du tout. Et bien franchement, j'en suis vraiment satisfaite. C'est vraiment un coup de cœur. Là, c'est le numéro 6. Donc c'est un rouge à lèvres liquide, hyper mat. C'est sans transfert. Ça la sèche pas du tout. Je trouve que, je ne sais pas s'il y a un hydratant à l'intérieur, mais c'est vraiment... c'est hyper confortable, ça colle pas du tout. Et action, il y a des petites décorations comme ça, donc c'est ces ballons bouche en lasé blanc à l'intérieur pour 1,99€. Donc c'est des ballons en forme de cœur. Et je trouve ça trop mignon. Vous avez des rouges et des blancs. Vous avez ces cœurs aussi, donc juste là, vous avez un petit cœur comme ça transparent. Et à l'intérieur, il y a des petites confettis. Je trouve ça trop mignon. Vous en avez 6. Pareil pour 1€, donc je trouve ça vraiment pas cher chez Action. Voilà comment ça se présente. Voilà, vous avez des petits confettis à l'intérieur, voilà, tout petit cœur. Ça va être trop mignon. Une petite boîte comme ça avec des petits cœurs à l'intérieur. Si vous voulez vous faire une petite jolie table ou mettre sur le lit, enfin bref, voilà, c'est trop mignon ça aussi. Pour 79 centimes, il me semble, petite boîte comme ça, trop mignon. Et là aussi une petite décoration comme ceci en forme de cœur. Vous l'avez en rose, rouge. Bien sûr, moi j'ai pris le rouge, hein, c'est la Saint-Valentin. Et vous avez blanc, il me semble, c'est trop mignon. Pour 99 centimes aussi chez Action. Donc à Action, ils font vraiment de choses très sympas pour la Saint-Valentin au niveau décoration. Donc vraiment pas cher si vous voulez pas vous ruiner. Donc si ça vous plaît, restez avec moi pour ce tuto de make-up. Donc cette coiffure vraiment rapide quand vous n'avez pas le temps, si vous travaillez et après le travail, voulez-vous vous faire quand même une petite beauté pour votre chérie. J'ai choisi deux tenues si ça vous intéresse, donc restez avec moi, c'est tout de suite. Je vais commencer par une petite astuce très efficace pour venir resserrer les pores dilatés avec du citron. Donc je vais venir l'appliquer sur du coton et venir le tapoter sur le visage. Mon fond de teint préféré du moment, c'est le Maybelline Dream Satin Liquide. Donc il a un sérum hydratant, il est très léger et glowy en même temps, il a un SPF 13 en teinte 21 nude. Donc j'hésite pas à en mettre si vous voulez une bonne couvrance. Autre astuce, si vous avez la peau mixte à grasse, je vais venir mettre du talc bio pour bébé uniquement sur la zone T. Et pour venir réchauffer le teint, je vais venir avec cette poudre bronzante Ola de la marque Benefit. Elle se travaille très très bien. Je passe aux sourcils, un gros coup de cœur pour ce gel sourcil waterproof, le numéro 5 de chez Kiko.
et je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté, le 62 de chez Kiko. Je vais appliquer une base paupière Urban Decay, c'est un champagne irisé. Avec cette palette d'illuminateurs de Fenty Beauty, je vais venir prendre cette couleur Cupping Eyes. Et avec ce magnifique blanc, le Sub-Zero, je vais venir le déposer sur l'arcade sourcilière. Je passe au mascara avec le Band Gal Band de chez Benefit pour un volume renversant. Astuce, si vous ne voulez pas dépasser votre eyeliner, je vais venir mettre du scotch à l'extrémité de l'œil. Je passe à l'highlighter, c'est un feutre tracé fin, c'est l'Hyper Precise All Day de chez Benefit. Je passe au jour avec cette magnifique palette Zoëlla Aristo. Je vais venir appliquer cette jolie couleur orange irisée. Je passe au rouge à lèvres, gros coup de cœur. C'est un rouge à lèvres liquide au fini mat, le Instant Color. Et là, c'est le numéro 6, donc c'est un rouge très vif. Je passe à l'highlighter, bien sûr, toujours avec cette palette Fenty Beauty. Je vais prendre cette couleur, le Stone Cold. Je passe à la coiffure et sincèrement, je ne sais absolument pas quoi faire, donc on va aller au feeling.
très laqué. Prenez soin de vous, à très bientôt.